alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateforme Lumière islamique de l'Institution islamique sociale à Dakar, Sénégal. On a choisi pour notre émission un sujet très important qui intéresse nous tous. Surtout après les grandes vacances, ça veut dire après des longues expositions massives au soleil. Nous tenons à interpréter une des plus grandes maladies de la peau, le cancer de la peau. Notre peau, l'organe le plus étendu, elle mesure chez l'adulte 2 mètres carrés et le plus lourd de notre organisme, elle pèse presque de 4 à 5 kg. Elle est essentielle à la vie, elle protège notre organisme des agressions extérieures, alors c'est la barrière de défense. Souhaitons la bienvenue à notre dermatologue, vénérologue, Dr Jihan Taha Oumaïs, notre docteur qui a fait ses études de médecine et sa spécialisation en dermatologie à Dakar, à la faculté de médecine Cheikh Anta Diop et à l'hôpital Aristide Le Dantec. Spécialisé en France en dermatologie pédiatrique et en dermatologie esthétique. Bonjour docteur. Bienvenue. Bonjour Naïla. Je vous remercie et je remercie également Maoulena de m'accueillir au sein de l'Institut islamique pour aborder un thème aussi important que celui d'aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci docteur. Docteur, la dermatologie est la spécialité médicale qui s'intéresse à l'étude de la peau, des ongles, des cheveux, des poils, etc. De quoi est composée notre peau? Quelle est la structure de notre peau? Alors, comme l'a dit Naïla précédemment, la peau est un des organes les plus importants de l'organisme, notamment déjà par sa surface, qui est de 2 mètres carrés, donc qui est très importante, et également par sa masse. La peau pèse environ 4 à 5 kg. Et elle assure la communication déjà entre notre organisme et le milieu extérieur, mais également une barrière de défense entre notre organisme et l'environnement extérieur. Alors, c'est un organe très complexe qui est composé de plusieurs couches, notamment 4 couches. L'épiderme, de la superficie à la profondeur, nous avons l'épiderme, la jonction dermo-épidermique, ensuite le derme, puis l'hypoderme. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la couche la plus superficielle de la peau, qui est l'épiderme, parce que c'est à ce niveau-là que se développent les principaux cancers de peau. Cette couche superficielle de la peau est composée de nombreuses cellules, notamment les kératinocytes, les mélanocytes. Nous avons également des cellules qui servent à l'immunité, comme les cellules de Langerhans ou les lymphocytes, mais également les cellules de Merkel. Ok. Peut-on savoir quel est le rôle de chacune de ces cellules, pardon, notamment? Alors, on va prendre les principales, parce que si on va parler de chacune des cellules, c'est très lent. Alors, les kératinocytes sont là pour composer les différentes couches de la peau. C'est ce qui va former la couche cornée. Donc, c'est vraiment la base même de la peau. D'ailleurs, ce sont les cellules les plus nombreuses. Elles sont présentes à 80% dans l'épiderme. Les mélanocytes, deuxième cellule très importante, ce sont les cellules qui vont donner la couleur à la peau. Donc, plus les mélanocytes vont produire de mélanine, plus la peau sera foncée. D'accord. Ensuite, nous avons des cellules qui sont là pour défendre la peau, pour créer une immunité au sein de la peau. Ce sont les cellules de Langerhans, les lymphocytes. D'accord. Une des maladies de la peau, c'est le cancer cutané. Bon, au début, qu'est-ce qu'un cancer? Comment se forme-t-il? Et en particulier, qu'est-ce qu'un cancer cutané ou bien cancer de la peau? Très bien. Alors, il faut savoir que l'individu, que l'être humain, est composé de milliards de cellules. Et ces cellules vont former les organes. Mmh. Au sein de chaque organe, il va se créer tous les jours une multiplication des cellules par division cellulaire. D'accord. Donc, il y aura une production de cellules et en même temps, la mort programmée d'autres cellules. C'est ce renouvellement constant qui va permettre le bon fonctionnement de notre organisme. Okay. Alors, de temps en temps, il arrive que du fait d'agressions extérieures, ça peut être les ultraviolets du soleil, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool ou autre, il arrive que des anomalies au sein de ces divisions cellulaires se fassent et qui créent des mutations au sein des cellules. Ces mutations, normalement, si l'organisme fonctionne bien, si les cellules fonctionnent bien, normalement, ces mutations sont repérées et réparées par les cellules.
Parfois, malheureusement, ces systèmes de réparation se font mal ou ne se font pas, et la cellule, avec cette mutation, va continuer à se développer. Et c'est cette cellule anormale qui va se développer, qui va finir par former la tumeur. Donc, peut-on dire que les cellules, alors, ils ont un système de sécurité. Bien sûr. Donc, si ce système ne fonctionne pas, ou bien si mal fonctionne, voilà, alors s'il y aura un... Voilà, la réparation ne se fait pas. Okay. La cellule mutée continue à se reproduire, à se développer, et c'est ce qui crée la tumeur. La tumeur. Et quand ça se passe au niveau d'une cellule cutanée, comme le kératinocyte ou le mélanocyte, à ce moment, on parle de cancer cutané. Oh, ok. Peut-on dire qu'il est fréquent, ce cancer? Alors, la fréquence justement du cancer de la peau, c'est ce qui fait qu'on aborde ce sujet aujourd'hui, c'est ce qui fait l'importance de ce sujet. Il faut savoir que le cancer de la peau, c'est le cancer le plus important chez l'être humain. Il correspond à un tiers de tous les cancers confondus. C'est dire à quel point il est fréquent, effectivement. D'accord. Vous avez dit, docteur, qu'il n'y a pas un, mais plutôt plusieurs cancers cutanés. Peut-on citer les principaux cancers cutanés? Alors, effectivement, il y a autant de cancers qu'il n'y a de cellules dans la peau. Donc, il y a énormément de cancers. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous les aborder aujourd'hui parce que nous avons un temps limité. Mais nous allons parler des trois principaux, des trois plus importants. D'abord, les carcinomes, le carcinome basocellulaire, qui est le plus fréquent. C'est à quel niveau de... Alors, toujours au niveau de l'épiderme, et le carcinome basocellulaire va se développer au niveau de la couche profonde. Oui. Donc, nous avons ici l'épiderme. Le carcinome basocellulaire va se former au niveau de la couche la plus profonde de l'épiderme. Le carcinome épidermoïde, qui est le deuxième, qui correspond à environ 20% des cancers cutanés, se forme dans la couche médiane de l'épiderme. Et le mélanome, qui se forme toujours au niveau de l'épiderme, mais là, pas aux dépens des kératinocytes, mais aux dépens des mélanocytes, qui est le cancer le plus agressif, le plus redouté en dermatologie, qui va attaquer les mélanocytes, toujours au sein de l'épiderme. D'accord. Ok, docteur. Y a-t-il une ou plusieurs causes d'un cancer de la peau? C'est-à-dire, quels sont les facteurs de risque? Ou bien, quelles sont les causes auxquelles est dû le développement d'un certain cancer? Très bien. Alors, effectivement, Naïla utilise un terme qui est très propre. Quand on parle de cancer, on ne parle pas de cause, on parle de facteur de risque. D'accord. Parce que ce n'est pas une seule chose qui est à l'origine du développement d'un cancer, c'est plutôt plusieurs facteurs de risque ou facteurs favorisants qui, intriqués ensemble, vont créer le cancer cutané. Alors, quels sont ces facteurs de risque? Il y en a plusieurs. Déjà, le plus important et celui qui est commun à tous les cancers de peau, c'est d'abord l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, les rayons ultraviolets sont un des principaux facteurs de risque, d'où l'importance de la protection contre le soleil. La deuxième chose, c'est le phototype de peau. J'avais dit tout à l'heure que le mélanocyte, donc cette cellule qui produit de la mélanine, qui donne sa couleur à la peau, est important. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer le phototype de la personne. Plus le phototype est clair, donc pardon, plus docteur, la personne... Pardon, excuse-moi, c'est quoi le phototype? Juste pour éclaircir. Exactement, j'y viens. Le phototype, c'est ce qui détermine la tolérance de chacun, de chaque individu au soleil. Plus l'individu a la peau claire, les yeux et les cheveux clairs, plus il sera sensible au soleil. Donc, il sera plus facile de développer un cancer cutané chez ce type de phototype plutôt que chez les phototypes plus foncés. Il y a plus que de risques. Ce qui ne veut pas dire que les phototypes foncés ne doivent pas se protéger du soleil. Okay. Et d'ailleurs, ça nous amène à un point très important, ce qu'on appelle le capital solaire. Ouais. Le capital solaire, qu'est-ce que c'est? C'est la tolérance, c'est-à-dire c'est le degré de tolérance qu'on a chacun de nous, et il est individuel, qu'on a contre le soleil. C'est comme si on avait un réservoir en nous, un réservoir, et à chaque fois qu'on s'expose au soleil, on retire un peu de réserve de donc tolérance. Donc, ce capital soleil, donc c'est à chaque individu, il a un capital soleil. Exactement. Dès sa naissance, et il peut être toujours, on peut le préserver, ou bien ça commence à être épuisé fur et à mesure. Au fur et à mesure, ce capital solaire s'épuise. Okay. Mais il faut savoir que plus on s'expose au soleil, plus rapidement on va l'épuiser. Et à partir du moment où ce capital solaire est épuisé, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on développe les pathologies cutanées, notamment les cancers de peau. D'où l'intérêt
de protéger les enfants dès le plus jeune âge pour économiser leur capital solaire, justement, et pour qu'à l'âge adulte, ils ne développent pas de cancer cutané. D'accord. Comment puis-je savoir que mon capital solaire est déjà épuisé? Malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est quand vous allez commencer à développer les différentes lésions dues au soleil que là, on saura qu'il a été épuisé. Peut-on travailler pour augmenter ce capital soleil ou bien... Pour l'augmenter, non, mais pour l'économiser au maximum, oui, en se protégeant du soleil. Okay. Docteur, quel traitement sera proposé par le docteur s'il suspecte un certain cancer cutané ou si le cancer est déjà confirmé? Alors, le traitement d'un cancer est déjà assez complexe parce qu'il est aussi collégial. Le médecin ne prendra pas de décision tout seul. Il va en parler au cancérologue. Donc, il y aura une concertation entre le dermatologue, le cancérologue et le chirurgien. Ça peut aller de la chirurgie pour retirer le cancer dans son intégralité, des radiothérapies, des chimiothérapies, etc. Donc, tout cela, ce sera une décision collégiale entre plusieurs praticiens, entre plusieurs médecins. D'accord. Vous avez dit qu'il n'y a pas un, mais plutôt des cancers de la peau. Comment reconnaître les principaux cancers cutanés? Alors, très bien. Effectivement, il y a autant de cancers cutanés qu'il y a de cellules dans la peau. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous les aborder. Donc, nous allons parler des trois principaux, des trois les plus fréquents, qui sont le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et le mélanome. Okay. Comment les reconnaître? Alors, c'est très difficile de reconnaître un cancer cutané à l'œil nu. En général, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un polymorphisme clinique. Ça veut dire que ça ne se présente pas toujours de la même façon. Donc, idéalement, il faut aller consulter le dermatologue. Et le dermatologue, selon la lésion, va pouvoir dire soit à l'œil nu, soit après une biopsie cutanée. Donc, il va prélever la lésion qui est un peu suspecte. Il va la prélever, l'envoyer au laboratoire dans du formol. Cela va être analysé. Et l'anatomopathologiste pourra nous dire s'il s'agit d'une lésion bénigne ou s'il s'agit d'un réel cancer de la peau. Alors, il n'y a pas de règle. Il faut savoir que devant toute lésion qui évolue de façon chronique, donc qui est là depuis plusieurs mois, qui ne guérit pas, qui parfois saigne ou qui a un aspect qui est anormal, il ne faut pas hésiter à aller consulter le dermatologue. Alors, il y a parfois des critères, chez les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté par exemple, il y a parfois des critères qui peuvent aider à surveiller ces grains de beauté, parce que parfois, c'est rare mais ça arrive, le grain de beauté peut dégénérer en mélanome. Quels sont les critères qui peuvent aider à la surveillance du grain de beauté? Ce sont les critères A, B, C, D, E. Donc le A pour asymétrie, donc c'est une lésion qui n'a pas qui n'est pas régulière, qui n'est pas bien arrondie, qui est un peu asymétrique. Le deuxième critère, c'est le B, les bords irréguliers. Ça veut dire que les bords de la lésion sont un peu grignotés, ils ne sont pas nets. La troisième, c'est le C, la couleur de la lésion. C'est-à-dire que la lésion n'a pas une couleur homogène. Il y a plusieurs teintes de brun au sein de la même lésion. Les couleurs sont inhomogènes. Le D, c'est le diamètre. En général, on dit que quand une lésion mesure un peu plus de 6 mm de diamètre et qu'en plus, elle a d'autres critères qui ne correspondent pas à quelque chose de bénin, on peut la suspecter. Et le dernier critère, c'est le E, l'évolutivité. Donc, c'est une lésion qui était là et qui a commencé à évoluer dans le temps, qui a commencé à grossir, qui a commencé à changer de couleur. À ce moment-là, on s'inquiète et on n'hésite pas à les consulter. Donc, toujours, il faut les surveiller. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a une ou bien plusieurs causes d'un cancer de la peau? Bien, quels sont les facteurs de risque? Alors, très bien. Naila a utilisé un terme qui est très adéquat. Le terme de facteur de risque, parce que en ce qui concerne les cancers, de façon générale, on ne parle jamais de cause, parce que ce n'est pas une cause qui crée un cancer, mais mais plutôt plusieurs facteurs favorisants qui, intriqués ensemble, vont provoquer ou vont faire en sorte que le cancer se développe. Alors, quels sont les facteurs favorisants au développement d'un cancer cutané? Il y en a plusieurs. Le plus important et celui qui est commun à tous les cancers cutanés, c'est le degré d'exposition solaire. Plus on s'expose aux UV, plus on est susceptible de développer plus tard un cancer cutané. La deuxième chose, c'est le phototype. Je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir que chaque individu n'a pas la même tolérance
à développer un cancer cutané. Prenons deux individus qui vont recevoir la même dose d'UV au sein de leur vie. Pourquoi l'un va développer un cancer et pourquoi l'autre non? Tout simplement parce que le phototype, c'est-à-dire la sensibilité, la tolérance au soleil, est différente d'un individu à un autre. Plus on est clair, plus la peau est claire, plus les yeux et les cheveux sont clairs, moins on tolère le soleil, plus on brûle au soleil, et c'est ce qui fait que la tolérance n'est pas la même. Donc plus on a un phototype clair, plus c'est un facteur favorisant au développement d'un cancer. On en vient alors à quelque chose de très important, ce qu'on appelle le capital solaire. Le capital solaire, qu'est-ce que c'est? C'est la tolérance maximale de chaque individu à l'exposition solaire. Okay. Bon, ce capital soleil est inné? Il est inné et il est différent pour chaque individu. Est-ce qu'il est renouvelable? Il n'est pas renouvelable, malheureusement. Ce serait bien. Alors, peut-on le préserver ou l'augmenter? Encore non. Alors, le capital solaire, on ne peut pas l'augmenter, malheureusement, mais on peut le préserver. Alors, le capital solaire, c'est comme un réservoir, en fait, qu'on a en nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on s'expose au soleil, on puise dans ce réservoir. Dommage. Et une fois que ce réservoir est vide, c'est à ce moment-là qu'on commence à développer les pathologies cutanées et notamment les cancers cutanés. Mmh. D'où l'importance de préserver ce capital solaire, de se protéger du soleil depuis qu'on est tout petit, surtout les plus jeunes. Alors, plus on les protège du soleil quand ils sont jeunes, plus on économise leur capital solaire et plus on leur donne la chance de ne pas développer un cancer cutané à l'âge adulte. Comment puis-je savoir si mon capital solaire est épuisé? Alors malheureusement, une fois qu'on sait que le capital solaire est épuisé, c'est parce qu'on a développé des lésions dues aux effets néfastes du soleil et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc idéalement, ne pas attendre de savoir qu'on a épuisé son capital solaire, mais le préserver au maximum. D'accord. Quel traitement, docteur, sera proposé par le médecin s'il suspecte un cancer cutané ou bien si le cancer est déjà confirmé? Alors, si vous allez consulter chez votre dermatologue, votre médecin généraliste, et qu'il a suspecté un cancer cutané, qu'il fait la biopsie et que c'est confirmé, mm-hmm. il peut soit procéder à plusieurs choix thérapeutiques s'offrent à lui. Et tout dépend du type de cancer, tout dépend de son évolution. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il s'est déjà métastasé? Mm-hmm. Donc tout ça, ça compte énormément. Et la décision qu'il va prendre n'est pas une décision individuelle, c'est une décision qui va être collégiale avec plusieurs autres spécialités. Il va concerter le cancérologue, il va concerter le chirurgien et ensemble ils vont prendre une décision. Alors soit ce sera de la chirurgie, soit la chirurgie ne sera pas suffisante malheureusement, il faudra aller vers la radiothérapie, la chimiothérapie ou d'autres techniques comme l'immunothérapie, etc. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour éviter l'apparition d'un certain cancer cutané? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est de lutter contre les facteurs de risque du développement des cancers, les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Alors, notamment, se protéger au maximum du soleil, donc porter des vêtements couvrants le maximum. Plus on se couvre, porter des vêtements à manches longues, porter des chapeaux pour couvrir son visage. Mm-hmm. La protection vestimentaire, c'est la protection la plus importante. Ouais. C'est très important. Et pour les zones qui sont quand même exposées au soleil, comme le visage, comme le dos des mains, etc., ne pas hésiter à appliquer une protection solaire de haute intensité, SPF 50 et plus, et renouveler au cours de la journée. Ouais. Ça, c'est très important. On peut également éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes de la journée, par exemple. Et il ne faut pas hésiter à aller voir le plus souvent possible son dermatologue, au moindre doute, aller au moins une fois par an, surtout si on est sujet à avoir plein de lévus. Il faut savoir que ça aussi, c'est un facteur de risque chez des sujets de phototype très clair, qui ont eu plusieurs coups de soleil dans l'enfance et qui ont beaucoup de grains de beauté. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là d'aller consulter le dermatologue une fois par an au moins pour qu'il s'assure qu'il n'y a aucun grain de beauté qui se développe mal. Il faut également surveiller les patients qui sont un peu à risque, comme des patients qui ont des pathologies génétiques. Je pense notamment à l'albinisme.
l'albinisme qui est une maladie génétique de la peau et qui fait en sorte que l'individu atteint cette pathologie développe plus facilement des cancers cutanés qu'une personne qui n'aurait pas cette pathologie. Le xéroderma pigmentosum, qui est un autre type de maladie génétique de la peau qui favorise le développement de cancers cutanés. Il faut aussi surveiller les patients qui ont certaines lésions cutanées, par exemple comme les kératoses actiniques. Ce sont des petites lésions qui ne sont pas cancérigènes, mais qui, si elles ne sont pas traitées par le dermatologue, peuvent devenir cancérigènes. Okay. Les patients qui ont des anciennes cicatrices, comme des cicatrices de brûlure, qui sont là depuis l'enfance, qui sont exposées au soleil, un cancer cutané peut se développer au niveau de cette cicatrice. Donc, ne pas hésiter à bien surveiller ces cicatrices, c'est important. Et par exemple, les patients qui ont des ulcères de jambes, on le voit, donc des plaies qui sont chroniques, qui sont là depuis très longtemps, ça peut être le nid aussi de développement de cancer cutané. Donc, ne pas hésiter à aller voir régulièrement le dermatologue pour la surveillance. Vraiment un contenu très, très bénéfique. Vraiment. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre interprétation. C'est très gentil, Naila. Et je tiens à dire, excusez-moi, on n'a pas abordé ce sujet-là. J'ai omis de le dire. Concernant la fréquence des cancers cutanés, il faut savoir que depuis les années 1980, Le nombre de cancers de la peau a plus que triplé. Donc, on est passé du simple au triple entre 1980 et les années 2012. Pourquoi ? Parce que on a un changement des habitudes de vie, un changement des modes de vie et un changement des loisirs. Et la mode fait en sorte que les cancers se développent plus. Et c'est quoi ces facteurs justement ? C'est le fait déjà d'être de plus en plus dénudé. Le fait d'être de plus en plus dénudé, ça fait en sorte que on est plus exposé au soleil, on est moins protégé du soleil, et ça fait en sorte que les cancers se développent plus rapidement. Deuxième chose, c'est la peau, c'est la mode des peaux bronzées. Donc, à partir des années 1980, la mode, c'était quoi ? C'était d'avoir le teint bien mat, bien bronzé, etc. Ouais. Donc, les jeunes se sont mis à s'exposer pendant de longues heures, à rôtir presque au soleil, ce qui a fait que les cancers se sont multipliés. Donc, je tiens aujourd'hui à sensibiliser par rapport à ça, à sensibiliser les jeunes. Ne pas forcément suivre les modes. Ça, c'est important. Qu'on ait une peau blanche, qu'on ait une peau très claire, une peau avec des taches de rousseur, une peau mate, une peau bronzée, une peau noire, toutes les peaux sont belles comme elles sont. Il ne faut pas chercher à changer ce que Dieu nous a donné. Bien sûr. Quand on a la peau claire, on a la peau claire et on est belle comme ça, il faut l'accepter. Quand on a la peau noire, elle est noire et elle est belle comme ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dénuder, hein. Donc se voiler, c'est très bien. Se voiler, c'est bien. Oui. Chacun s'habille comme il veut. Oui. Mais vraiment, s'il faut s'habiller, pensez au moins à la protection solaire, c'est important. Vraiment, grand, grand merci pour le docteur. Voilà. Mes chers, notre peau joue un rôle psychosocial très important. C'est un élément majeur de notre apparence physique. La peau est un vecteur de communication entre nous et les autres. Protéger la peau, s'occuper d'elle doit être une de nos premières occupations. Merci de liker, de partager et le grand merci de regarder toute la vidéo. Elle est très bénéfique. Merci à vous tous et à très bientôt.